Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien, que la comme prêt. Alors, nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle leçon. Alors, le titre d'aujourd'hui, ou bien le titre de la leçon d'aujourd'hui, est le féminin des noms en yé et é. Donc, là, il nous faut le féminin t'aide les noms. Alors, nous avons les noms, les huma et les asma. Nous avons deux genres, yani le masculin et le féminin. Nous avons vu déjà plusieurs sortes de féminin. Le féminin en e, le féminin en euse, double consonne e, etc. Donc aujourd'hui, nous allons voir le féminin des noms qui se terminent par yé au masculin et par e, er. D'accord? Alors, un infirmier. Un infirmier. Donc, un bijoutier et un passager. Donc, vous remarquez que les deux premiers exemples, c'est IER, yé. Et le dernier exemple, c'est ER. Donc, d'ailleurs, rien ne chauffe le déterminant, chauffe l'article indéfini 1, n'a faut blesser le masculin. Donc, un bijoutier, pardon, un infirmier devient une infirmière. Donc, on rajoute le E, d'accord? Et on rajoute l'accent grave sur le premier E. Yani le E, les jaïk bel R, l'accent grave, d'accord? Et je rajoute le E du féminin à la fin. Un bijoutier devient une bijoutière. Donc, je rajoute le E du féminin et je rajoute l'accent grave sur le E qui précède le R. D'accord? يعني واش ندير؟ راح نعاود نكتب نفس الكلمة. Regardez, من المذكر إلى المؤنث. Donc, du masculin au féminin. نعاود نكتب نفس الكلمة. نزيد لها غير le E du féminin et l'accent grave sur le premier E. Un passager, comme tu l'as oublié, c'est le ER, mais c'est IER, mais c'est la même règle qui tout tape. Il y a 9 qaïda tout tape. Un devient une, passager devient passagère. Donc je rajoute le E du féminin et l'accent grave. D'accord? Donc c'est très simple. Le yé devient hier. Le E devient R. Par exemple, un boulanger, une boulangère. Un boucher, une bouchère. D'accord? Par exemple, un pâtissier, une pâtissière, un jardinier, une jardinière. D'accord? Donc, c'est très, très, très facile.